mise en service aujourd'hui dans la daïra frontalière d'El Borma, dans la wilaya de Ouargla, par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui était accompagné du ministre de l'Énergie, de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, ainsi que du PDG du groupe Sonatrach. Bedoui a appelé à cette occasion à encourager l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et à mettre en place les mécanismes de formation relative au métier de cette énergie au niveau des différentes installations similaires à l'échelle nationale, mettant en exergue les investissements colossaux de l'État pour améliorer les énergies renouvelables en général et l'énergie solaire en particulier. Inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les groupes pétroliers algériens et italiens, Sonatrach et Eni, ce projet qui entre dans le cadre du développement également des zones frontalières, a été concrétisé à la faveur d'une enveloppe globale de 16 millions de dollars. La centrale est implantée sur une superficie de 20 hectares au niveau